Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour les résistants et résistantes. Hein. J'espère que vous continuez à résister au niveau du moral aussi, hein, puisqu'il ne faut pas se laisser déstabiliser par toutes les mauvaises nouvelles qui arrivent, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Bon. Alors, il y a plusieurs vidéos que je voulais vous faire. Alors, j'ai vu qu'il y a, déjà, il y a Phil qui a fait un très bon tirage sur l'explosion de gaz. Donc, du coup, je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous apprendre. Hein. Je crois qu'il y a Margot aussi qui en a fait un. Bon, donc peut-être que j'en ferai un, mais pas très long. Parce qu'à mon sens, j'avais regardé moi en astrologie. C'est-à-dire que j'ai pris le thème de l'explosion, parce que je savais où est-ce qu'elle a eu lieu et puis à quelle heure. Et j'ai vu qu'il y avait de la malfaisance. Voilà, donc j'avais les aspects de Nard, plus lointain, plus lointain. Bon, comme ça c'est dit. Donc, effectivement, moi je suis plutôt d'accord avec ce que Phil a sorti. Il hein. Y a des choses bizarres dans cette explosion, même si on n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu explosion. D'ailleurs, on peut aller regarder rapidement. Après, je vais vous faire un tirage sur Wagner. Là aussi, il y a pas mal d'enfumage. Et puis, le dernier que je voulais vous faire depuis longtemps, ce sera sur les BRICS. Bon, bah écoutez, on va commencer par. Par ces histoires de gaz, voilà. Bah, on va regarder peut-être avec Habitat. Ouais, on va regarder peut-être avec Habitat, parce que comme ça touche une habitation et que justement le jeu est en relation avec l'environnement, ça peut être intéressant. Voilà. Ah oui, alors avant de commencer, je vous présente le dernier bracelet. Alors attendez, il faut que je lise la petite notice, parce que moi je ne suis pas spécialiste en pierre. Alors c'est une rhodochrosite. Voilà, donc je vous montre, c'est un joli petit bracelet rose. Donc pour ceux et celles qui aiment les tons doux, comme le rose, eh bien, c'est une pierre rose qui apporte de la compassion, de la tolérance, la paix intérieure et l'amour. Eh bien, peut-être que ça va être une bonne chose, puisque je vais traiter de sujets difficiles, hein. J'ai parlé de l'explosion. Donc, effectivement, c'est un sujet difficile. Et pour Wagner, bah, quand même, hein, il s'agit de guerre, il s'agit de tentative de coup d'État. Donc, ce n'est pas un sujet non plus très rose, c'est qu'à le dire. Donc, cette pierre va peut-être m'aider à garder une paix intérieure. Donc, voilà, vous avez 15% comme d'habitude. Hein, vous savez comment ça fonctionne. Je vous mets le lien sous la vidéo pour en profiter, se faire plaisir à petit prix. Parce que je crois que par la suite, les occasions de se faire plaisir vont devenir très difficiles. Bon. Alors, revenons à cette explosion de gaz qui a eu lieu le 21 juin lors de la fête de la musique. Fêtée d'ailleurs par notre cher Brémiche, qui n'a pas eu l'air de se soucier le moins du monde qu'il y a eu des victimes dans cette explosion, hein, très violente, qui a détruit tous les meubles. Et qui a fait donc une trentaine de blessés. Et puis, il y a quelques personnes qui sont dans un état encore très, très grave. Mais bon, ça n'a pas empêché nos élites de s'amuser. C'est comme ça. Ouais, bon, alors, pendant que j'étais en train de battre les cartes, j'étais en train de réfléchir à l'explosion. Alors, on a une cabane, on a des familles, des gens. Alors, apparemment, l'immeuble était vide. Vous m'excuserez pour les pastilles. Hein. Enfin, vous vous rappelez que j'avais été shadowbanné, comme on dit. Par Youyou à cause des scènes de nudité sur mes cartes, donc c'est pour ça que j'ai mis des pastilles. Enfin bref, il y a des gens, mais il me semble que l'immeuble était vide. Hein. En fait, les personnes qui ont été accidentées, qui ont été portées à l'hôpital, sont des gens qui se trouvaient dans la rue et donc qui ont reçu les explosions de pierre, quoi. Ça leur est tombé dessus. Et il y en a encore, d'ailleurs, je crois qu'il y a encore une dame qui n'a pas été retrouvée, qui peut être sous les gravats. Donc, apparemment, l'immeuble était vide, mais il y a quand même des gens. Alors, pourquoi? Mais je ne sais pas pourquoi, mais il y a un groupe de personnes qui ressort en relation avec cette maison. Alors, est-ce que c'est la fameuse école? Parce que je sais qu'il y a une école. Enfin, il y avait une école, parce que l'école, elle est détruite maintenant. Une école qui recevait donc des jeunes gens, hein. Et c'est une école de mode, d'art, de design, mais l'école était vide. Alors, bah, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui sont sortis. Bon, on va regarder ce qu'on peut nous dire sur cette explosion, voir déjà si ça sort. Hein.
Alors là, il y a un danger. Ok. Il y a du feu. Ah, bah écoutez, il y a quelqu'un qui allume du feu. Je veux pas dire, mais enfin, il y a quelqu'un qui allume du feu. Voilà. Il y a quelqu'un qui allume du feu. Le soir. Alors, l'explosion a eu lieu en fin d'après-midi, il me semble, autour de 17 h. Mais, encore une fois, il y a la lune. Alors, la lune, c'est souvent justement le secret, hein. Et donc, c'est un homme. Bon. Il y a des gens qui se battent pour protéger quelque chose et il y a un danger, là encore, que l'on ne voit pas. Alors, ça, c'est la solidarité. Donc, je crois que les personnes qui se sont retrouvées sans abri, parce que il faut aller vérifier que les maisons attenant soient encore en état, hein, pour accueillir les gens qui y vivaient. Donc je crois qu'il y a une question de solidarité. Mais j'ai l'impression que ça va me dire autre chose. Ça. Attendez, il y a quelque chose là. Bon, là, le danger, ok. On a le danger ici, le danger là, quelqu'un qui allume un feu. Et une concertation. Une concertation. Oui. Je réfléchis en même temps, hein, s'il me vient des idées. Et encore une concertation. Bon, il y a eu des pourparlers apparemment. Alors normalement, c'est plutôt des belles cartes, hein. Mais moi, avec des cartes comme ça, j'ai l'impression que là, le jeu dit qu'il y a eu des discussions à l'écart. Donc cachée, secrète, par rapport à ceci. Bon, alors la solidarité, ben je pense que c'est je pense que c'est les gens. Alors pas forcément les gens qui vivent à côté de l'immeuble. Je crois que je sais ce que c'est. En fait, c'est les gens en général qui se tiennent la main. Donc c'est vous, c'est moi, c'est nous, le peuple. Et on est en danger. On est en danger. C'est plutôt ça que je vois, moi. C'est curieux, mais cette explosion-là, elle vise les gens en général. Alors, j'ai parlé de l'école, ouais. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est pas forcément l'école qui était visée, même si au départ, j'avais pensé que ça pouvait être le cas. C'est autre chose. Bon, ça, c'est les histoires de médiatisation éventuellement, les messages. Bon, c'est le peuple qui est en danger là. Non, non, non. Ce qui s'est passé, à mon sens, hein, bon, déjà, on voit très bien ici qu'il y a une concertation pour allumer quelque chose de façon cachée, et c'est un homme. Bon, ce que je vois ici, moi, c'est qu'on cherche à tout prix à déstabiliser une société qui se trouve en danger, mais qui ne le voit pas, qui n'en est pas consciente. Hein. C'est pas forcément une personne, c'est les gens en général, là, que l'on retrouve ici. Les gens sont en train de prendre conscience de certaines choses, de voir un danger qui s'approche. Les gens sont en train d'ouvrir les yeux et éventuellement de créer une espèce de solidarité. En tout cas, ça commence tout doucement, mais ça commence. Et moi, j'ai l'impression qu'on veut empêcher tout ça. En créant par exemple une peur, un traumatisme. On va essayer de voir. Mais là, je vois vraiment une volonté de détruire une chaîne de personnes qui protègent des acquis. Ici, vous avez un arbre. L'arbre, il est gigantesque, il est très vieux. Donc quelque chose d'enraciné comme la famille, voyez? La famille, la culture, la civilisation telle qu'on la connaît. Quelque chose qui nous permet de grandir en toute sécurité avec notre identité propre. Et là, ça s'est menacé. Ouais, c'est bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est ça. On essaie de faire peur aux gens en leur créant des traumatismes, des chocs, pour les fracturer quelque part. Et c'est vrai qu'une explosion, eh bien, c'est une occasion parfaite. Ça, c'est la joie de vivre des gens. Ça, c'est encore un danger. Et ça, c'est la traversée du désert. Et c'est ce qu'ils veulent pour nous.
Ils veulent que l'on passe de cet état-là, certaine insouciance, en plus c'est les vacances, hein, voyez, l'envie de liberté, de s'amuser, eh bien, ils veulent qu'on passe à ceci. Vous avez d'ailleurs les gravats. Et il y a également de la pauvreté. Alors, est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est vraiment en créant un traumatisme? Ben écoutez, voilà, je n'ai pas manipulé mes cartes. Hein. Est-ce que c'est vrai en créant un traumatisme? Oui. Je pense qu'on veut créer, alors on, bah, je ne sais pas qui c'est, hein, de façon nominative, je ne sais pas qui c'est, mais je sais qu'il s'agit de nos élites avec un Z. Je crois vraiment qu'il s'agit encore une fois ici de créer des traumatismes pour faire peur aux gens, pour les empêcher de se sentir en sécurité, pour les empêcher d'être heureux, d'avoir une certaine joie de vivre, surtout pendant les vacances, parce que là, bon, bah, on fait redescendre la pression. Et qu'il s'agit ben, de justement de nous remettre la pression, puisqu'on est sorti de la muselière, on est sorti du truc qui fait mal, on est sorti du pain de mie, n'est-ce pas? On est sorti de tout ça. Et donc, pour nous replonger dans certaines tristesses ou désespoirs, eh bien, on peut, voilà, on peut créer des traumatismes comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Bon, alors, je ne vais pas faire un tirage trop long non plus. On va regarder peut-être encore très rapidement cette fois avec un jeu qui peut me donner peut-être d'autres informations. Je suis en train de réfléchir. Ouais, on va prendre le Black Mirror. Voilà. Pour voir éventuellement si, la raison. Alors j'ai la colère là. J'ai la colère. Bon, ok. J'ai la carte de la colère. On va voir s'il y a une raison. Parce que, apparemment, avec l'homme qui allume un feu, je n'ai même pas besoin de demander s'il s'agit d'un accident. C'est non. Il y a eu quelque chose qui a été allumé. Donc, je ne vais pas plus loin. Mais moi, je veux savoir si j'ai raison par rapport justement à la raison. Parce que, bon, c'est curieux quand même. On n'allume pas un truc, une espèce de feu sans raison. Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment de changer l'état d'esprit des gens, par exemple, hein. Mais je ne sais pas pourquoi, parce que il y a eu personne de visé puisque les meubles étaient vides, hein. Mais il y a eu des victimes collatérales. Donc ça veut dire que ce n'était pas une personne qui était visée, mais en fait des innocents. Donc là, il y a quelque chose. Alors, il y a des choses qui fonctionnent et de la discorde. Alors là, on travaille à créer une discorde. On travaille à créer un état de colère. Ah, pourquoi de la discorde? Ouais, ça fait partie d'un plan, tout ça, moi, à mon avis. Il y aura peut-être encore autre chose qui va arriver. Hein. Attention, hein, j'ai l'impression qu'on est parti là, maintenant, vers des attaques qui vont s'intensifier. Vous avez bien vu, il y a eu l'histoire de Bordeaux, je ne parle pas de Pierre. Hein. À propos, on l'a vu s'amuser en boîte de nuit, ce cher Pierre. Vous l'avez dit, qu'il n'irait pas en prison. Enfin, bref, je referme la parenthèse. Non, non, je parle de la dame, là, avec la petite fille qui a failli être enlevée. Donc, et avec une agression au truc qui fait mal. L'autre truc qui fait mal. Bon, on en a quand même beaucoup des attaques. Et moi, j'ai peur que ça s'intensifie justement pour créer la peur. On va mettre que trois cartes. Tiens, on va s'arrêter là. Alors là, il y a des choses qui sont de l'illusion, de la créativité et de la sensibilité. Donc, on va regarder. Ouais, voyez. Il s'agit ici de toucher la sensibilité des gens et de les faire pleurer. L'effet miroir, c'est bien une tromperie. Et la créativité, bah oui, effectivement. Ça passe par la mise en place de choses, on va dire, créatives, n'est-ce pas? Donc, de plans, quoi. Voilà. Avec des histoires de malédiction. Ouais, ils veulent créer, en fait, le sentiment que de fatalité. Ah, j'ai le chat qui vient de me rejoindre. Ouais, c'est un chat bizarre, il fait pas miaou. C'est indescriptible. Bah, viens, Tofi, viens me voir. Bon, voilà, donc à mon sens, c'est ça. C'est une manœuvre de psychologie, psychologique, vous avez compris. Donc, pour traumatiser des gens. Voilà, je vous dis à bientôt et merci beaucoup. Au revoir.